Je suis sûr que vous avez d'autres choses beaucoup plus intéressantes à raconter. Ah ouais, on va mourir de façon classique. Très bien. Moi je veux du aventure. Ça me paraît très très bien ça comme demande. Est-ce qu'on a une bombe? Non. Toujours pas. C'est dommage. C'est dommage. Va-t'en la grosse mouche. Ça c'est bien. Déjà pour le Devil Deal on est bien. Là, je viens de ramasser l'ombre de Judas, qui a fait qu'une fois que je suis mort, je suis apparu en ombre de Judas avec de meilleures stats. Non, c'est vraiment pourri, c'est vraiment très très pourri, c'est même pas mieux que l'autre. Là, j'ai laissé le couteau qui me permet de détacher ma tête, mais ça sert à rien. Genre, je cherche encore à quoi cet item sert. Et j'ai pris un HP up sur le boss, Stem Cells. Qui je crois augmente un tout léger tears up aussi ou je sais pas quoi, enfin il y a quelque chose. Mais je sais plus ce que c'est. Ou je confonds peut-être d'items, ce qui est possible aussi. Death. Et une petite pièce. Non, non, non. Ok, tout va bien, tout va bien. Ah, parfait, parfait, j'en rêvais. J'en rêvais la nuit. Alors, il faut quand même 4 pour le tuer. Je suis passé pile à ce moment-là, quoi. Mais tu veux pas tirer pour l'achever. Blood Clot qui fait du damage et du range, mais je crois pas toutes les. Pas toutes les larmes, genre une larme sur deux, je sais plus quoi. Plus 0,16 de shot speed, ah c'est ça, Kineko, merci. Bon. Ah j'ai pas de bombe, c'est parfait. Ça, ça peut. C'est un trinket qui peut, quand tu finis une room, parfois te filer une charge de plus. Mais oh, d'accord, je sais plus vider. J'ai peut-être jamais su. Ah les bombes. Ah les bombes. Hop, regarde ce qu'on fait. Tu vois ce que j'en fais de ta room? Eh ben, je me casse. Jamais tu meurs. Oula. Ah maintenant c'est les clés que je vais pas avoir, c'est ça? Pas d'item room en plus. J'ai l'impression de vraiment vraiment pas avoir de DPS. Hein. Ça, ça veut dire c'est le désespoir d'un homme. Quand il commence à piffer les pilules. Oh. Oh non, je me dis, je me prends pas les boules au jaune, je me prends pas les yeux. Et faut qu'il me fasse un pipi juste mais genre à 1 mm sur mes pieds quoi. Okay.
Tout va bien. Tout va bien. Et il me loot un range up. Donc j'augmente ma portée, tout simplement. Et nous avons... Alors, attends. Normalement, si je dis pas de bêtises, je peux le faire. Okay. Voilà. Et comme j'en ai rien à battre, moi j'y vais comme ça. Moi j'y vais comme ça. Pourtant, il est déjà tout pourri. Oh non, pas la petite mouche qui tue devant quand je passe. Et on voit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Toujours pas de clé, non? Les clés, c'est nul. Les clés, ça sert à rien, les clés. Les clés, ça pourrait me donner des items qui me pourraient permettre de faire une run correcte. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Il faut pas. Je pourrais checker les shops, avoir le mapping, tu vois, des trucs comme ça. Il faut vraiment pas les clés. Ah non, pas de clé, hein. Pas de clé, non, c'est mieux. C'est mieux. Lightbot du Pexo, c'est son corps, pas sa tête. Ça, c'est bien, par contre. Pour une fois, on a un truc bien. Ah, Necro XL. On va dire que j'ai pas mis de la mauvaise la bonne volonté. Je suis allé dans la grande salle. Oh, une clé! Oh mon dieu, une clé! Donc là, on va arriver à Mom sans voir un seul truc, c'est ça? Non. Putain, me dis pas que... Non, ça va. Je sais plus que c'était Balls of Steel. Ah, j'aurais dû... Voilà. Et une clé. Par là ou pas? Par là? Oh, ça a l'air bien par là. Ça a l'air génial par là. Ça a l'air trop trop bien. Ah, voilà. Ah, j'en rêvais. J'en rêvais. Allez, tu me files pas une bandage girl, tu me files le cube of meat. Va te... Voilà. J'oublie de l'utiliser. Hein. Je suis vexé, j'ai pas une cube of meat. Alors du coup, je l'utilise pas. D'accord, et pas de Devil Deal, rien. On est bien au niveau du temps, mais on est pourri au niveau des items. Regardez le nombre d'items que j'ai, c'est la tristesse absolue. C'est la tristesse absolue. On n'a pas de mapping. Ça va être bien. Ça va être bien, vous allez voir. Il y a ceux qui vont se coucher. Oh, un joker. On va garder. Mais l'avoir avant.
Ça, le mob lent, ça veut dire que... si jamais... Ah, si, je vais le prendre parce que j'ai encore la carte Joker derrière et j'y crois. J'y crois tellement. C'est pas par là. C'est bien ça. Oh yes. Un petit poney. Mais on va pas le prendre le petit poney. Parce que j'ai déjà pas de DPS. Aïe aïe aïe. Allez, un Devil Deal. Un Devil Deal. Le chat, on est obligé. Et j'ai besoin de damage, mais pff, la dague c'est génial. L'autre va me filer un... Tant pis. J'aurais pu mourir et prendre les deux, mais... Ah, choix difficile, là. Choix difficile. J'aurais dû prendre l'autre. Je pense que j'aurais dû prendre l'autre. Je pense que je sais que c'est. Oh non. J'ai fait une esquive de folie. Une esquive de quoi? Ah non, sur le poney. Sur le petit poney. Vous auriez pris quoi, vous? La marque ou le... Ou comment ça s'appelle? La sacrificielle dagger. Non mais je mets de la super bonne volonté, je fais la grande pièce avant la petite pièce, tout ça. Les gens ils me disent, ouais c'est souvent les grandes pièces avant. Rien du tout, rien du tout. Les deux, il aurait fallu que je me suicide pour les deux. Mais du coup j'aurais été... Défoncer l'univers, les mouches. Je peux pas te taper, mais il va falloir que tu attends. Allez, le Joker. Permets-moi d'enlever mon dernier cœur, transforme-moi en guppy, tu verras, ce sera génial. Et tu verras, ce sera génial. C'est pas ce que je voulais, mais on va faire avec. Hein. On n'a pas du tout de mapping, mais genre rien du tout. Et on vole pas. Et on n'a pas beaucoup de vie. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses qu'on n'a pas. Une pièce de guppy, c'est tentant. Ah oui, c'est tentant. On va pas y aller. Il y a une carte, mais elle était au milieu, j'imagine. Ouais, oui. Bombé, mais j'ai du bon DPS, je tue aussi vite, donc... Allez, voilà. C'est mes mouches, quoi.
à part perdre du temps, ça ne sert à rien. Minutes, c'est pas un mauvais run, hein, mais il manque des choses, il manque beaucoup de choses. Omega Power, IP4. T'es sérieux? Oh, tant mieux d'un autre côté parce que je voulais pas. Tu sens le reset? Oui, je le sens. Je le sens. Ah bah c'était bien. Ah c'était bien. Ah, c'était bien. C'était magnifique. Oh, GG, 19 minutes et quelques. Ah, c'est bien ça. Très très bien. Non, sub 20 sur WI, c'est pas assez bien. Ah!
Il y a un Harvester 2? Non. Non, ils ont pas fait un 2 après. C'est pas possible. Ok, tu vas me donner une bombe avec un rocher main. Oh, t'es sérieux. Ah, j'ai très envie d'aller voir. Elle va peut-être me donner un cheveu. Ouh, j'ai eu peur. Elle n'avait pas besoin. Ah, je peux prendre deux David Deal, ceci dit, maintenant. Le Blue Baby qui prend le lard. Et voilà, on a du speed derrière, c'est parfait. C'est parfait. Tu connais l'acide? Ah, comme j'ai trop bien fait de prendre le large, je vais super vite. Je suis un peu tout gros par contre. Par contre, niveau temps, ça va pas du tout. Il était très très long, ces deux premiers étages. Mais bon, on a du damage up, du speed. Un multiplicateur de dégâts. Et du splash damage. Dommage pour la touche. Mince. À chaque fois, je sais pas. J'arrive pas à bien reconnaître quand je suis... Quand il tire, à quel endroit ça passe de je tire vers le bas ou je tire vers le côté.
Heureusement qu'il a pas tiré de plus sur le côté parce que je me suis coincé dans le caillou. Il est bien ce run, c'est juste le temps qui suck ça quoi. C'est mieux que ce que j'ai. Livre de Bélial, le vol, on va prendre le vol. Juste un petit speed up. Non, je mets pas le tracker qui monte les dégâts et tout parce que c'est considéré comme un cheat. Donc, je vois toujours pas ma vie. Je sais pas, je trouve, même d'un point de vue hors considération, je trouve ça important de... Enfin, je trouve que c'est rajouter un truc, un élément qui te dit « Ah, tu sais où t'en es ». Alors que le fait de d'arriver à toi-même calculer pour savoir où tu en es dans tes dégâts, tout ça, je trouve que ça fait partie une partie importante de l'intérêt, de la difficulté, tout ça. Non, je suis pas pour. Ça sert à rien. Ok, on a encore... Ça devait arriver. Ça devait arriver. C'est comme il y a un joueur qui joue avec un... comment ça s'appelle, un truc qui lui permet d'avoir la map sur l'écran d'à côté, donc pas sur son écran. Et personnellement, je trouve qu'avoir la map sur le jeu, bah, c'est une des difficultés du jeu. Parce que par exemple, là j'ai la map en grand et bah, je vois pas bien. Il y a des salles où t'as des caca rouges en haut à droite. En te mettant la map autre part, et bah, tu te facilites le jeu en quelque sorte. Pas du tout combien j'ai de vie. Hein. Je sais pas si je peux prendre un Devil Deal. Oh mince. Je vais le prendre. Mais... De toute façon, ça m'intéresse pas. Tout va bien. Faudrait que j'utilise quand même mon truc plutôt que de me faire toucher. Ah, j'aurais pu prendre le Devil Deal. Mais j'aurais pu. J'aime bien le réflexe, tu voles, mais tu t'écartes quand même des trucs sur lesquels tu peux pas passer quand tu voles pas.
Et non, merci. On a toujours pas affronté Krampus. Hein. Tellement pas bien niveau taille, on n'a pas de mapping, ça me saoule. Super, super. C'est pas grave. Oh mon dieu. D'accord. Oh, je peux pas. Je peux pas. Je ne peux pas m'en aller. Ah si, je peux m'en aller. Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. J'étais pas... Je le voyais, moi, le bouclier. Hein. Il clignotait pas. Enfin, 15-20, on n'a pas de... Thank you.
cette carte, j'aurais gagné un tout petit peu de temps à la bomber. Cette carte. Cette somme. Celle-là, oui. Bon, ça déjà, c'est bien. Pourquoi tu mâches le bouton portier? Parce que je joue comme ça. Je sais que ça sert à rien, mais j'ai toujours toujours joué comme ça. J'arrive pas à faire de bon temps aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est les temps corrects, mais mes runs décollent pas. Quoi. Mais j'ai zéro mapping pour le moment. Pour rien. Tout ça pour rien. Tu vas mourir, oui. Et si on peut gruger cet item en effet. C'était pas prévu ça. Voilà. Ça m'énerve parce que j'ai pas l'impression de mal jouer quoi. Yop, Rimeria. Non, j'ai pas de MMO à proposer en attendant Camelot Unchained. À part tous ceux que je vous ai conseillés un million de fois dans les épisodes, pas de nouveautés ou de...
Ah. C'était peut-être l'item de ouf. Mais déjà 3h39, je vais peut-être arrêter en vrai. Je vais peut-être arrêter mon dernier run. Life is Strange, c'est pas un MMO, malheureusement non. Malheureusement non. Bon, je sais pas pourquoi j'avais envie d'aller là. J'avais envie d'aller là. Ok, Rimeria, tu as rigolé à nos dépens. Tu n'as donc pas honte. Oui, celui-là était malheureusement assez remarquable. T'as gardé les boulons en souvenir, mais bien sûr. Mais bien sûr. Quand tu fais un collier. Non, puis ils vont pas faire revenir quelqu'un en Doctor Who. Enfin, ils vont pas le faire revenir en Docteur, en tout cas. Tennant existe toujours dans l'univers de Doctor Who, ceci dit. Vu qu'ils sont deux. Mais avec Rose. Ah là là, il y a même quelqu'un qui est en Israël. C'est dingue ça. Des gens de partout dans le monde. Bon, je vais le prendre et je vais aller voir la Curse Room. C'est quand même un item correct. Sait-on jamais. Non. En plus, je sais que c'est du starter. C'est incroyable. Le jeu, il me dit va te coucher. Va te coucher! Oui et non, Idzrak. Ah mince, c'était mon item celui-là. Normalement, il n'a pas le droit de croiser son propre chemin. Bon, celui, le spécial avec tous les docteurs était particulier. C'était fabuleux. Quand tu veux le jeu. Quand tu veux. Surtout, ne te presse pas. Il est plutôt jeune le docteur en effet, mais je saurais pas te dire quel âge. C'est gentil Arius, ça fait plaisir. Le seul sens du reset quoi. SMB Superfan, c'est un speeddown. Pour ceux qui ne le savent pas. Non, je start pas avec ça. Pas sur un premier perso. Enfin, j'aurais pu aller jusqu'au deuxième étage et voir ce que ça donnait. Ouais, j'aurais dû. Moi, ça m'aurait fait jouer quelques minutes. Et on sait jamais, sur un Devil Deal chanceux. Non, mais j'aurais eu un Devil Deal moyen, je me serais dit, ah, allez, oh, je tente. J'aurais galéré toute la run. Et oui, la magie d'Internet, en effet. La technologie, c'est beau. Non,
mais ça pareil, c'est pas un vrai starter, mais bon. J'ai même plus d'item room. Ah. C'est un starter, je le starterai. Il y a deux items que j'aurais starté si c'était sur des persos lors du speedrun. Après le premier perso, mais en premier perso non. Je prends pas des mauvais starters. Créer une future présidente de l'Alliance Terrienne. Pourquoi vous voulez me donner ce type de responsabilité? Ça m'intéresse pas, moi. Moi, ce que je veux, c'est jouer à des jeux vidéo et parler, parler avec la communauté. Voilà. Je sens le run de ouf. Ah bah non. Ah non. Non mais je veux pas. D'après Louis Kia, il aurait au moins 2139 ans le docteur. C'est pas mal, c'est pas mal. Toi tu nommerais Fred comme président de l'Alliance Terrienne. On est mal barré. Je vais peut-être accepter le poste en fait. C'est à ça que servent les ministres à rien foutre. Je suis pas convaincu. Je suis pas président de l'ordre du dindon sanglant, je suis le président de l'ordre du dindon. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Confrérie du dindon. Il est bien ce jeu. Moi je m'amuse beaucoup sur ce jeu. T'as manqué Thanksgiving? Eh oui, tu as manqué. Tu as manqué la fin de Harvester. Bien, très très bien ce jeu, je l'adore. Je l'adore tellement ce jeu. Et fin. Oui, il y aura un replay normalement sur la chaîne de replay. Tu peux voir le replay sur Twitch directement, mince. Il sera déjà disponible demain. Enfin, dès que je déco le stream, normalement, vous pouvez le voir. Ah, on a un start. Mon dieu. Bon allez, on a peur de rien, on va là. Alors, on a perdu un cœur, par contre on a fait masse thune. Et on peut même aller directement au shop.
Ok. On a 3 pièces, c'est cool. Et en plus, tu m'achètes. Ah non, ça va pas l'acheter. Oh, j'aurais pu prendre le truc de carte. Oh non, c'est bon, bah, je veux plus le prendre maintenant. On est riche. On est riche. Très bien. Donc, en fait, j'ai rien perdu parce que je serais pas allé dans la Curse Room, j'aurais jamais eu la thune et j'aurais donc pu jamais acheter ce cœur. C'était une bonne opération. C'était une très bonne opération. Par contre, on a plus de clé. Petite bombe ? Non, on a des clés. Bon, c'est bien déjà. Déjà, c'est bien. T'es sérieux ? Je loupe le Devil Deal à cause de ça. Je boude. C'est jamais. La salle de l'angoisse. Quoi. Prince de salle. La salle qui tue ta run d'entrée de run. Magnifique. Magnifique. Trois fois la même. Croisez les doigts. Oh, c'est beau. Bon, on a The Emperor, on a le mapping. Nous manque qu'une chose, le DPS. Nous manque juste du DPS. Par contre, on est très 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 mauvais niveau. Quoi. On peut faire une run de ouf avec du DPS. Le HP, on s'en fout. Putain, ça, c'est... Jamais il y a un truc qui se passe bien, quoi. Jusqu'au bout, on s'en fout. On s'en fout. Je vais la prendre parce que j'ai déjà la carte que je veux. Ok. Un bouquin, j'ai déjà le mapping, donc non, on s'en fout.
0 damage up. On a vu mieux. J'ai nos DPS donc. Toujours en full 20 sur 20. Bravo. Putain, c'est moche, hein. Je me suis tapé plein de HP, un début de mapping, enfin un mapping quand même, et zéro dégâts. Zéro damage, pardon. Ça sert à rien. Allez, le jeu il veut pas ce soir. S'il veut pas, il veut pas. On va aller voir quelqu'un d'autre. On va aller sur le stream de quelqu'un qui veut bien. Ou le jeu veut bien. Bon bah en tout cas les runs ont été. Ça va, je me dis pas, ah j'ai mal joué. Je pense que j'ai bien géré mes runs. Et j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. Juste j'avais pas grand chose. Donc voilà. Oh, je pense qu'on aurait pu faire hein, 20 minutes encore, hein. Je pense que c'était jouable. Mais 8 minutes où t'es même pas à Depth ou Nécro, non, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Mais bon, il y avait l'Empereur, donc c'était rattrapable. Mais... Si tu veux faire un multi-twitch, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais déjà, moi, je vais aller voir qui est-ce qui stream. Alors, on a... Molfried, on a... Ah, il y a Anti Zubilamaka qui est juste le meilleur joueur mondial de comment ça s'appelle de Binding of Isaac. Donc moi déjà je vais aller voir son stream à lui. Mais c'est US. Et c'est tout. Je vois que Molfried en FR que je connais de online. Donc je sais pas trop pourquoi tu veux faire un multi Twitch. Ben, sachant que mes heures de live, c'est 21h, 2h du matin, sois déjà content que j'ai live jusqu'à 4h. Si tu trouves que c'est pas assez long, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Donc, il y a Molfried. Si vous voulez voir un FR, il fait du Hidden Streak, ce qui est plutôt sympa. Bon, ça me passionne pas des masses, beaucoup moins que le speedrun, mais bon, vu qu'il est sympa, Molfried, c'est toujours chouette de traîner là-bas. Et sinon, il y a Anti Zubilamaka, donc le plus gros joueur d'Isaac. Enfin, sa réputation en tout cas, c'est comme quoi c'est le meilleur joueur du monde. Mais, il y en a plein des bons joueurs. Mais pas forcément des plus sympathiques. J'irai voir ça. Hop. Le stream de Molfried. Je vous mets le lien du stream de Molfried. C'est pas un raid, hein. Vous allez si vous avez envie. Il est gentil, il mord pas.
Il y a des song requests. Et c'est sa musique d'ailleurs. Je vais couper la mienne. En tout cas, merci beaucoup pour la soirée. C'était vraiment très très sympa. Je suis content d'avoir fini Harvester. Ok. Je suis très très content. Et j'espère ne plus jamais retourner. C'était une expérience fort intéressante. Fort intéressante. J'aurais bien aimé avoir des petites runs sympas qu'on se tente au moins un 7 card, mais là ce soir ça voulait pas. Ça voulait pas. Les gars, je peux les virer tes raps de merde. Ok, et il aime pas le rap. Il aime pas le rap. Ça arrive. J'ai dit de merde. Ouais. Allez, je coupe le son de son stream. Allez lui faire un coucou. Et moi je regarderai Emolfried et Anti. Enfin, son pseudo quoi. Anti Zubilamaka. Je me ferai un multi-twitch avec les deux, je pense. Je me ferai un multi-twitch avec les deux. Voilà, voilou. Des bisous tout le monde. On se retrouve ce soir. Donc on est quoi? On est dimanche? On est lundi maintenant. Ce sera lundi soir pour de nouvelles aventures. Probablement du Isaac ou je ne sais pas quoi. C'est quand Life is Strange? Ah non, c'est dans 8 jours encore. On a le temps. On a le temps. Allez, des bisous tout le monde. Je vous laisse en compagnie de cette image de Dindon, le Dindon de l'amour qui vous dit bonne nuit à tous. Rendez-vous ce soir à 21h pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec l'hymne de la chaîne. Je vous invite tous à faire un dernier petit pas de danse. Bisous, bonne nuit, ciao, ciao!